Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, des documents advocacy ont été déclassifiés. Nous y apprenons les origines de l'un des plus grands syndicats du crime, le groupe Otoni. Accusé d'influence politique lors de diverses élections, ce groupe aux finances aussi fortes que les plus grandes industries de l'Empire trouverait son origine dans le système Crochot à la moitié du 29e siècle. Selon les rumeurs difficiles à vérifier, trois jeunes orphelins auraient décidé de s'allier afin de se protéger de différents gangs sévissants à l'époque. Les trois orphelins, Arthur Mendes, Loda Viscaso et Thio Cast, ont très vite compris que leurs capacités complémentaires leur permettraient de prendre le dessus. Cela montre à quel point des origines modestes ne sont pas un frein à la conquête du monde. Il est malheureusement déplorable qu'un syndicat du crime tel que celui-ci ait pu perdurer aussi longtemps au sein de l'Empire. Autre nouvelle de la semaine. La V2 du M50 a été mise sur le marché. Ce nouveau modèle s'aligne au standard actuel de la marque, qui souhaite accentuer la différenciation avec les autres constructeurs. L'autre vaisseau à avoir pointé le bout de son nez est le P-72 Emerald, conçu à l'occasion de la fête Fortuna. Il possède une verrière orange qui peut déstabiliser les pilotes de leur premier vol. Ces deux nouveaux modèles tirent pleinement avantage du logiciel d'avionique récemment déployé dans tous les vaisseaux de l'Empire. Malheureusement, d'autres vaisseaux ont perdu au change et de nombreux citoyens font remonter leurs critiques afin d'améliorer le système. Mais ce n'est pas le seul logiciel à avoir été déployé cette semaine, puisque l'application MOTrader, attendue depuis très longtemps par les citoyens, a enfin été mise à leur disposition, leur permettant de faire des échanges d'argent au prix d'une taxe. Cela vous permettra d'envoyer de l'argent à votre petit-fils pour qu'il puisse acheter le tout dernier Moby Glass disponible à la Factory Line de New Babbage qui vient d'ouvrir. Et si vous n'avez pas confiance en l'électronique, par peur d'être tracé, vous pourrez toujours griller les composants grâce aux armes Lightning Bolt disponibles en armurerie. Nous rappelons toutefois que tirer sur des gens sans motif valable est illégal, tout comme les cours sauvages organisés à Grimex. Toujours dans la thématique des armes, Gemini et Bering ont respectivement présenté le sniper A03 et le fusil lourd FS9. Nous n'avons malheureusement pas encore de date de lancement à ce jour. Et pour finir avec les armes, les services de sécurité sont inquiets après avoir trouvé ce qui ressemblerait à une lance Vandoule. Cette semaine, des tests d'extinction d'incendie à grande échelle ont pris place dans des laboratoires afin de tester la vitesse de propagation du feu au sein des vaisseaux et différents moyens d'y remédier. Cela permettra d'augmenter la sécurité durant les voyages. Surtout si ces voyages sont périlleux, ce qui sera fort probable à bord du Hercule et du Mercury, deux vaisseaux de chez Crusader dont nous avons eu des nouvelles cette semaine. Il semblerait que pour l'instant, la production soit dans les temps. Et pour finir sur les vaisseaux, Origin a communiqué sur son vaisseau petit budget, la série 100, qui devrait être livrée fin septembre. Origin explique qu'ils sont en train de régler les derniers détails de la coque extérieure et du cockpit. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles.